L'émotion autour de la disparition des frères Bogdanov reste vive. Le 28 décembre, c'est Grishka qui a été emporté par la maladie, suivi 6 jours plus tard par son frère Igor. Depuis, les témoignages et les hommages affluent concernant ces mystérieux personnages. En tout cas, ils cultivaient le mystère. Ils étaient semblables et tellement différents à la fois. Du côté de la vie privée, Igor a été vu aux côtés de plusieurs femmes au cours de sa vie. Rappelons qu'il est père de 6 enfants. Grishka s'est pour sa part montré bien plus discret concernant sa vie privée. Il n'a d'ailleurs, on le sait, jamais eu d'enfant. Il n'a jamais été marié. Sa sœur, Véronique, la benjamine de la fratrie, est revenue sur les raisons qui ont conduit Grishka à jamais se marier. Alors, il y a plusieurs raisons. Et effectivement, Grishka lui-même disait qu'il était très cérébral, alors qu'Igor, lui, était beaucoup plus terrien, plus terre à terre. D'ailleurs, Grishka avait fait des études de physique qui sont beaucoup plus théoriques que celles que les études qu'avait fait Grishka. Et de ce côté-là, ils étaient vraiment différents. Mais Véronique, sa sœur, dit également qu'il faut remonter à son enfance pour expliquer le fait que Grishka se soit jamais marié, n'ait jamais vraiment fondé de famille. Donc Véronique dit que leur mère avait rencontré un immigré russe qui s'appelait Yura, dont elle est tombée amoureuse et enceinte à 23 ans. Et c'est alors qu'Igor et Grishka sont nés. Mais leur grand-mère n'était pas forcément très favorable à cette histoire. C'était quelqu'un de très exigeant et personne ne trouvait grâce à ses yeux. Et ça a certainement conduit à ce que leur père et leur mère se séparent et peut-être que cette situation a influencé Grishka qui n'a pas voulu être confronté lui aussi à la séparation et peut-être il ne s'est jamais vraiment engagé pour ne pas connaître l'échec. Voilà, c'est une théorie. En tout cas, quelque chose qui distingue les deux jumeaux qui, encore une fois, étaient tellement fusionnels, qui se ressemblaient tellement, mais en même temps, qui étaient deux êtres différents, même si ils sont partis quasiment.